Pardonnez-moi, mesdames, pour cet affligeant spectacle. Mais il était temps que vous sachiez qui est vraiment cette personne. Monsieur Copperfield, je suis persuadée que vous avez agi pour elle. Pour la sauver. J'espère l'avoir sauvée, madame. Mais en vérité, j'ai agi dans mon propre intérêt. Pour me sauver moi-même. Permettez-moi de disposer. Mademoiselle Horton. Madame. Quelle élégance. Ce sont là de nobles manières. La vie et les aventures personnelles de David Copperfield le jeune. Vais-je devenir le héros de ma propre vie? Ou bien ce rôle sera-t-il joué par quelqu'un d'autre? C'est à ces pages qu'il revient de le démontrer. Pour débuter le récit de ma vie par le commencement de ma vie, je note ici que je suis né à Blunderstone, dans le Suffolk. J'étais un enfant posthume. Les yeux de mon père s'étaient refermés sur la lumière de ce monde depuis 6 mois, quand les miens s'ouvrirent sur elle. Une tante de mon père, et par conséquent ma grand-tante, Mademoiselle Betsy Trotwood, était la personne la plus marquante de notre famille. Je crois qu'elle avait jadis nourri une certaine préférence pour mon père, mais elle considéra comme un affront mortel qu'il ait épousé ma mère sans lui avoir été présenté, afin qu'elle lui donnât son approbation. Mademoiselle Betsy et mon père ne se revirent jamais. Et elle n'avait jamais vu ma mère. La corbeline. Vraiment. Où sont les corbeaux? Pouf, je n'en vois nulle part. Ah. Il en était ainsi des circonstances de cette journée que l'on voudra bien m'excuser de qualifier de mémorable et d'importante. Madame David Copperfield, j'imagine? Oui. Mademoiselle Betsy Trotwood. Vous avez entendu parler d'elle? Oui, j'ai eu ce plaisir. Là, vous la voyez. Non, pas de cela. Cessez de pleurer. Cessez. Bien. Alors, voyons. Laissez-moi vous regarder. Levez-vous. Venez, venez.
Mais ma parole, vous êtes un bébé. Je suis une bien jeune veuve. Et je serai une bien jeune mère si tant est que je survive. Sornette. Bon, asseyez-vous. Asseyez-vous, mon enfant, sur ce fauteuil, près du feu. La corbeline, vraiment. Où sont les corbeaux? Les quoi, madame? Les corbeaux, ces grands oiseaux noirs que l'on accuse souvent de porter malheur. Oh, mais je n'en ai jamais vu aucun. Mais pour l'amour du ciel, alors pourquoi la corbeline? Vous parlez de la maison? Mais bien sûr, la maison, ne soyez pas sotte. Le nom de la maison, c'est Monsieur Copperfield qui l'a choisi parce qu'il y avait plein de vieux nids dans le jardin. David Copperfield, c'est lui tout craché. Il appelle une maison la corbeline quand il n'y a aucun corbeau à la ronde, mais croit sur parole à leur existence parce qu'il y a des nids. Monsieur Copperfield est mort! De quel droit osez-vous parler avec insolence de cet homme? Seigneur, tout mon corps tremble. Je vais mourir, j'en suis certaine. Sornette, ce qu'il vous faut, c'est du thé. Comment s'appelle votre domestique? Peggotty. Peggotty? Voulez-vous vraiment dire, mon enfant, qu'un être humain a pu être baptisé par d'honnêtes chrétiens et que cette tête porte le nom de Peggotty? Peggotty est mon nom de famille, madame. Monsieur Copperfield a préféré m'appeler Peggotty, car mon nom de baptême est Clara, le même que ma maîtresse. Peggotty, servez à votre maîtresse une tasse de thé bien fort et surtout, ne traînez pas. Je suis certaine que cet enfant sera une fille. Ou peut-être un garçon. Ne me contredisez pas. Je vous dis que j'ai le pressentiment que cet enfant sera une petite fille. Alors, je deviendrai la marraine de cette petite. Et nous l'appellerons Betsy Trotwood Copperfield. Maintenant, concernant les questions d'argent, David a-t-il fait preuve de bonté envers vous? J'ai cette maison et ce qu'elle contient, ainsi qu'une rente agréable d'environ 100 livres par an. Voilà qui semble satisfaisant. Maintenant, pour ma filleule et pour son éducation... J'ai fait le plus vite que j'ai pu. Conduisez-moi en prêt, vite. Madame. 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 Ah, docteur. Eh bien. J'ai le plaisir de vous féliciter, comment, madame. C'est un très beau garçon. Parlez plus fort. Un garçon. Mais enfin, qu'avons cet homme? Pourquoi parle-t-il tout bas? Un garçon. Quoi? Un garçon? Impossible. Oh, mais je vous assure. Oh, suffit, taisez-vous. Mais madame, je... Oh, voyons, je... Mais enfin, je... Oh, mais je... Madame...
garçon. Oh, voilà. Oh, il est magnifique. Nous l'appellerons David, en mémoire de son père. David Copperfield. Encore aujourd'hui, lorsque je reviens sur les 9 premières années de mon existence, je ne vois que le soleil. Le soleil, à travers la fenêtre du salon où ma mère me donna mes premières leçons, inondant le jardin. Le soleil qui brillait dans ses cheveux lorsqu'elle ramassait des fruits, plus mûrs et plus succulents qu'aucun fruit ne l'a jamais été, dans aucun jardin. Même le vieux cimetière où mon père reposait, et où je venais déposer des fleurs tous les dimanches, même cet endroit si triste, j'en avais une vision lumineuse et éternellement baignée de soleil. Jusqu'au jour où l'ombre tomba sur moi. Bonjour, Madame Copperfield. Monsieur Murdstone. Bonjour, David. Je vois que tu as l'air en forme, mon garçon. Il est farouche. Quand elle chantait, on aurait dit un ange. Oui. Oui. Alors, au revoir, Madame Copperfield. Monsieur Marston. Au revoir, David. Allons, viens, mon garçon. Soyons amis. Hein? David. Mais tu t'es trompé de main, David. Tu es un brave petit garçon. Hein? Madame. Oh, David. Monsieur David. Oui, Peggotty. Cela vous plairait-il de venir avec moi et d'aller passer 15 jours chez mon frère à Yarmouth? Ce serait amusant, non? Peggotty, votre frère est-il agréable? Oui, bien sûr. Et là-bas, il y a l'océan, et les bateaux, et les pêcheurs, et la plage. Cela me ferait plaisir, mais qu'est-ce que maman va dire? Alors là, je vous parie une guinée qu'elle sera d'accord. Mais que fera-t-elle pendant que nous serons là-bas? Elle ne peut pas rester toute seule. Oh mon Dieu, vous ignorez donc qu'elle va séjourner durant 15 jours chez Madame Grepper. Madame Grepper? Madame Grepper va recevoir plein de monde. Alors on peut s'en aller? Oui. Pauvre David, comme tu étais naïf. Quel empressement pour quitter ton foyer heureux. Et pauvre Peggotty. Aujourd'hui, je vois clair dans leur complot. Peggotty devait jouer les ambassadrices pour ma mère et m'annoncer la nouvelle pendant notre séjour à Yarmouth. Monsieur David, regardez! C'est un endroit magnifique, Peggotty! Oh, l'endroit le plus agréable de la côte, c'est bien connu! Venez, madame, un choukia pour mes tout frais cueillis! Monsieur David! Oui, Peggotty? Oh, regardez, c'est un... Arrêtez! Monsieur Barky, c'est mon neveu! Ah, j'ai jamais vu un poisson pareil, il devait peser 20 livres! Eh, hey, mais c'est ma tante Clara! Oh,
Quel beau garçon. Et voici mon petit maître David. Bonjour, monsieur. Quelle joie de te voir. Elle n'a pas d'amoureux, j'imagine. Je vous demande pardon, monsieur Barkis. Il n'y a personne qui vive avec elle. Avec Peggotty? Elle, oui. Oh non, elle n'a jamais eu d'amoureux. Non? Elle n'a jamais eu d'amoureux. Bien, bien. Voilà notre maison, monsieur David. C'est un bateau, n'est-ce pas? Courez voir à quoi il ressemble. S'il s'était agi du palais d'Aladin, je n'aurais pas été plus séduit par l'idée romantique d'y habiter. Son charme merveilleux venait de ce que c'était un vrai bateau, qui avait dû voguer sur les flots des centaines, des milliers de fois. Monsieur Copperfield, je suis Daniel Peggotty. Ravi de vous voir, monsieur. Vous allez nous trouver rudes, mais empressés aussi. Je vous présente la petite Émilie, monsieur. Émilie, dis bonjour à monsieur Copperfield. Alors, ma sœur, n'es-tu pas trop lasse? Au contraire, mon cher frère. Viens, David. Monsieur Peggotty? Oui? Avez-vous donné à votre fils le nom de Ham parce que vous vivez comme dans l'arche de Noé? Non, monsieur. C'est son père qui lui a donné ce prénom. Mais je croyais que vous étiez son père. Mon frère Joe était son père. Il est mort, monsieur Peggotty. Noyé, oui. Mais alors, Émilie, elle, c'est votre fille, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est mon beau-frère Tom qui était son père. Il est mort, lui aussi, monsieur Peggotty. Noyé. Vous n'avez pas du tout d'enfant à vous? Non, monsieur, non, je ne suis pas marié. Pas marié? Mais alors qui est-ce? Il est l'heure d'aller vous coucher, monsieur David. Allons, allons, la vieille. Elle s'appelle madame Gummidge. Son mari et Daniel se partageaient le bateau. Mais le vieux Gummidge mourut en la laissant très pauvre. Alors Daniel la recueillit, comme Ham et la petite Émilie lorsqu'ils furent orphelins. C'est vraiment un homme très bon, votre frère. La bonté même. Et maintenant, au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. David. Oui, Peggotty. Mon frère Daniel déteste qu'on parle de sa générosité ou de sa bonté. C'est très important, personne ne doit en parler. Alors je n'en parlerai pas. Bien, il se met dans des colères terribles sinon. Bon. Venez! Vite, dépêchez-vous! Quelquefois, la nuit, quand il y a de la tempête, je me réveille et je crois entendre oncle Daniel et Ham qui crient et appellent à l'aide. C'est un cauchemar qui vous rappelle votre père? Je ne l'ai jamais connu. Alors c'est comme moi. Mais vous avez une mère, vous? J'ai perdu la mienne, hélas. Et puis votre père, lui, était un monsieur, le mien était un pêcheur, comme oncle Daniel. Peggotty dit que je ne dois jamais mentionner la grande bonté de son frère. Oui! Si un jour je deviens une grande dame, je lui donnerai une veste bleu ciel avec des boutons en diamant, un gilet de velours rouge, un bicorne, une montre en or et des pièces de monnaie.
Vous voudriez être une grande dame, Émilie? Oui, j'aimerais. Émilie, attendez! Je suis sûr que je l'aimais avec tout autant de tendresse et de pureté qu'il n'en peut entrer dans le plus bel amour de l'âge adulte. Les jours s'amusaient à nos côtés, comme si le temps lui-même n'avait pas encore grandi, mais était aussi un enfant, toujours en train de jouer. Et cette chère Peggotty, témoin de notre bonheur, sans doute n'aura-t-elle pas voulu le gâcher. Voilà pourquoi elle ne m'aura jamais délivré le message que lui avait confié ma mère. Ce n'est qu'en approchant du portail de la maison qu'elle se résigna à me le révéler. Monsieur Barkis, sonnez de la trompe, s'il vous plaît. Sonnez de la trompe pour qu'elle vienne à la porte. Où est-elle? Peggotty, pourquoi ne sort-elle pas? Où est-elle? Où est-elle? Peggotty, pourquoi ne sort-elle pas? Peggotty, mais où est-elle? Attendez, attendez, monsieur David, j'ai quelque chose à vous dire. Mais qui est-il? Où est-elle à la fin? Dites, elle n'est pas morte? Morte? Grand Dieu, non, voyons. Mon pauvre enfant. Bon, voilà, David. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. Pensez donc. Vous avez un père. Un nouveau. Maman! David! Oh! Clara? Ma chère. Dominez-vous. Je vous permets d'embrasser votre mère, David. Savoir toujours se dominer. Maintenant, David, comment allez-vous? Monsieur Murston va venir vivre avec nous. Elle s'installera dans cette chambre, tandis que toi, tu en auras une autre. Mais pourquoi? Viens avec moi. David. Clara? Qu'est-ce là? Clara, mon ami, auriez-vous oublié? De la fermeté, ma chère. Je suis désolée, Édouard. Je ne voulais pas vous déplaire, mais je suis tellement inquiète. Descendez à présent, ma chère. David et moi, nous vous rejoindrons dans un instant.
David. Si j'ai un cheval obstiné, indocile, ou un chien, qu'est-ce que je fais, selon vous ? Je n'en sais rien. Je le bats, moi. Je le fais obéir. Je le mate. Et je dis en moi-même, j'aurai raison de ce caillard. Dût-il y perdre tout le sang de son être, j'y arriverai. Quelques jours plus tard, elle arriva. Mademoiselle Jane Merston. Je me souviens que lorsqu'elle paya le cocher, elle tira son argent d'une bourse en acier. Combien ? Elle avait cette bourse dans un sac semblable à une prison, accrochée à son bras par une lourde chaîne, et qui se refermait comme une mâchoire. Jusqu'à ce jour, je n'avais encore jamais rencontré une dame aussi métallique que Jane Merston. Chère Jane, bienvenue. Est-ce votre petit garçon, belle-sœur ? Oui, c'est David. En général, je n'apprécie guère les garçons. Comment vas-tu, mon garçon ? Bien, merci, madame. Et vous également, je l'espère. Manque de manières. Mon frère ? Ma sœur. Maintenant, Clara, ma chère, je suis venue ici pour vous soulager du plus grand nombre de soucis possibles. Vous êtes bien trop gelée et étourdie pour toutes ces tâches qui reposent sur vos épaules et dont je me chargerai désormais. Votre trousseau de clés, donnez-le-moi, voulez-vous ? Clara ? Que dans ma propre maison. Ma propre maison ? Clara ? Notre propre maison. Pardon. Il est très dur que je ne puisse avoir un mot à dire sur les questions domestiques. Je m'en accommodais fort bien avant que nous ne soyons mariés. Edward, mettons un terme à tout ceci. Je pars demain. Jane Merston, asseyez-vous et faites silence. Je ne veux le départ de personne. Je ne demande pas grand-chose. Être consulté parfois, c'est peu. Edward, je m'en vais. Jane Merston, s'il vous plaît, taisez-vous. Clara, je suis très surpris. Quand Jane Merston a la bonté de venir et d'assumer, pour mon bien-être, le travail en général dévolu à une femme de charge. Voilà qu'elle subit un accueil que je qualifie d'indigne. Non, ne dites pas ça, mon ami. Cette scène est très fâcheuse pour un enfant. David, allez vous coucher. Monsieur, je... Allez vous coucher, je dis ! Ah, ça, non ! Merston, quel homme sans pitié ! Voilà. Oh, David... David. Soyez ferme avec cet enfant. Son devoir est-il correct ? Ou bien alors ne l'est-il pas ? Il est sûrement incorrect. Jane Merston a raison.
son devoir est incorrect. Plus de fermeté semble être nécessaire. Beaucoup plus. Pour l'amour du ciel, non! Clara, j'ai souvent été fouettée moi-même. Je vous en prie. Clara. Ma chère Jane, Clara a fait, j'en conviens, de grands progrès. Mais elle ne saurait supporter avec suffisamment de fermeté les tracas et les soucis que David lui cause par son oisiveté et son inattention. David, vous et moi, nous allons monter à l'étage à présent. Monsieur, s'il vous plaît! Non! Non! Edward, non! Clara, auriez-vous perdu la tête? Monsieur Marston, je vous en supplie, laissez-moi! Je vous en supplie! Arrêtez! Monsieur, non! S'il vous plaît! Non, monsieur! De grâce, pitié, ne me battez pas! Arrêtez! Je vous en prie! J'ai essayé d'apprendre! Mais je n'y arrive pas! Quand vous et mademoiselle Marston êtes là! Tiens donc, ma foi! Non! Je vous en prie! Alors, essayons cela! Non! S'il vous plaît! Non, pitié! Me fouetta comme s'il avait voulu me tuer. Comme je me rappelle bien, tandis que je commençais à m'apaiser, le calme anormal qui semblait régner dans toute la maison. Il faisait sombre, la nuit était tombée, et personne n'était venu me voir. J'étais en proie à des questions terribles. Quel acte criminel avais-je commis? Irais-je en prison? Serais-je pendu? Où le chat va nous entendre. Est-ce que maman est très en colère contre moi? Non. Non, pas très. Mais alors, que va-t-on faire de moi? Une école à côté de Londres. Oh, David! Maman! Maman, pardonnez-moi! Je vous en supplie! Clara? Je te pardonne, mon garçon. Clara! Mais tâche d'être meilleure. Prie pour être meilleure. Je te pardonne, David. Au revoir, mon garçon. David? David! David! Assez. Ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Non! Non! Allez-y, montez. Il faudra vous repentir, sinon vous tournerez mal. Allez-y.
Arrêtez-vous, monsieur Barkis. Arrêtez. Il ne faudra jamais m'oublier, monsieur David. Parce que moi, je ne vous oublierai pas. Et je vous promets de prendre soin de votre mère. Oui, j'ai toujours pris soin de vous. Je ne l'abandonnerai jamais. Est-ce une bonne cuisinière? Peggotty, monsieur Barkis? Oui, elle. Vous en voulez un peu, monsieur Barkis? Ah, ma foi, oui. Mais vous pourriez peut-être lui écrire. Je lui écrirai sûrement, soyez-en certain. Ah, bien. Dans ce cas, si vous lui écrivez, alors pensez peut-être à lui dire une chose, c'est que... Barkis veut bien. Barkis veut bien? C'est donc ça le message? Ah oui. Barkis veut bien. Pensionnaire, monsieur Tungay? Oui, c'est lui, monsieur Crinkle, c'est lui. Envoyez-le moi. Attendez. Tommy Traddles, bonne chance. Avancez! Allez, entrez! Alors, voici donc le jeune garçon dont il faut limer les dents. Approchez, hein? Allez, vite! J'ai l'insigne honneur de connaître votre beau-père, monsieur Murston. Et je sais quel homme de valeur il est. Un homme au caractère énergique. Je le connais bien. Et lui me connaît aussi. Me connaissez-vous, mon garçon? Pas encore, monsieur. Pas encore, hein? Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, hein? Je vais vous dire qui je suis. Je suis un tartare. Ah! Un tartare. Je suis un homme intransigeant. Oui, voilà ce que je suis. Quand je veux qu'une chose soit faite, croyez qu'elle est faite. Voilà. Suis-je déterminé, madame Crickle? Oui, vous l'êtes, monsieur Crickle. Prenez garde à lui. Il mord. Voilà. Monsieur Tungay, s'il vous plaît. Ainsi, il serait dans votre habitude de mordre. Je suis réputé pour mordre aussi. Silence! Que pensez-vous de ceci comme dent? Est-ce assez tranchant? Et cela mord, hein? Thank you.
Steerforth était le nom de mon sauveur. James Steerforth. C'était l'élève le plus âgé de l'école, le fils d'une riche veuve. Steerforth n'avait peur de personne. Allons, Traddles, relève-toi maintenant. Toi. Relève-toi, jeune homme. Alors, messieurs, qu'est-ce que cela signifie? J'estime que c'est là un acte honteux. Oui! Bonjour, monsieur Creakle. Rhabille-toi. Sois sans crainte. Je veillerai sur toi. Désormais, je me trouvais lié à lui par un sentiment indestructible de loyauté et de gratitude. Grâce à James Steerforth, la vie dans cet endroit terrible devint tolérable. Il aimait les histoires, mais n'était pas assez attentionné, disait-il, pour les lire lui-même. Alors, je lui faisais la lecture. Puis vint le matin où je fus appelé dans le bureau de Monsieur Creakle. Monsieur Copperfield! Oui, monsieur? Monsieur Creakle veut vous voir. Allez, venez, dépêchez-vous. Venez et asseyez-vous, David. J'ai quelque chose à vous dire, mon garçon. Vous êtes trop jeune pour savoir comme le monde change tous les jours et comment les gens disparaissent de ce monde. Mais nous sommes tous appelés à l'apprendre un jour, David. Et certains lorsqu'ils sont très jeunes. J'ai le regret d'avoir à vous annoncer que j'ai su ce matin que votre maman était très malade. Elle est très dangereusement malade. Elle est morte. Seigneur, vous qui sans cesse nous entourez de votre amour, vous êtes proche de ceux qui souffrent. Regardez vos amis dans la peine. Soyez notre refuge et notre soutien. Faites-nous dépasser la douleur et ses ténèbres pour accueillir la paix et la lumière de votre présence. Après votre départ, elle était plus timide, plus craintive. Une parole dure lui faisait l'effet d'un coup. Mais cependant, elle continuait à aimer Monsieur et Mademoiselle Murston, parce qu'elle ne pouvait pas en vouloir à ceux qui veillaient sur elle. À la fin, elle m'a dit ceci. Peggotty, voulez-vous placer votre cher bras là, sous mon cou, et me tourner vers vous? Car votre visage est en train de s'éloigner de moi. Et puis elle a supplié Dieu de bénir et de protéger son fils orphelin. Et là, elle est morte. Comme une enfant qui se serait endormie. J'espère que vous et Monsieur Barkis, vous serez très heureux, Peggotty. Le bon Dieu vous bénisse. Comme on dit toujours, on ne sait pas ce que réserve l'avenir. Alors, prenez cet argent, David, avant que je ne devienne Madame Barkis. 20 shillings ? Chut ! C'est trop ! Prenez, vous dis-je, et gardez-le bien,
pour le jour où vous en aurez besoin. Au revoir, monsieur David. Il ne sert à rien de vous voir fondre. C'est une perte de temps, et pire encore, c'est une perte d'argent. Vendez tout cela, la maison et son contenu. Vendez tout en bloc. C'est rapide, et vous en tirerez un bon prix. Entrez. Ah. David. Venez, mon garçon. Vous êtes dans une disposition qui nécessite d'être grandement corrigée. Il faudra vous en débarrasser. Vous en débarrasser, vous dis-je, débarrassez-vous de lui. Jane, ne vous en mêlez pas. Je vous prie. Je ne suis pas riche, David. Une éducation, c'est coûteux. D'autre part, je ne vois pas l'intérêt de continuer à vous laisser à l'institution. Donc, j'ai une affaire. À Londres. Murston et Greenby. Monsieur Quinion, mon ami, la dirige pour moi, et Monsieur Quinion a suggéré qu'étant donné qu'il emploie d'autres jeunes gens, il pourrait tout aussi bien vous employer, vous. Dans la mesure où il n'a pas d'autres projets. Vos appointements seront de 6 shillings par semaine. Votre logement auquel j'ai veillé, ce sera moi qui devrai le payer. En clair, votre avenir est réglé. Acquittez-vous de vos tâches. Et voilà, Murston et Greenby. Nous y sommes. Contemplez votre avenir, Murston et Greenby. Notre branche d'activité la plus importante consiste à fournir du vin et des alcools à des paquebots. Viens voir Mick. Lui, c'est Mick Walker. Voici David Copperfield. Il va travailler en bas, alors emmène-le et explique-lui ce qu'il y aura à faire. Il ne faut pas le répéter à Monsieur Quinion. Je vais m'en aller et très bientôt, j'espère, je vais être marinier, comme mon père, dans le cortège du Lord Mayor. Et je porterai une tenue de velours noir, pareil que lui. Hé, patate! Lui, c'est patate farineuse. Il ne s'appelle pas comme ça, mais nous, on l'appelle patate farineuse à cause de sa couleur de patate blanche. Et c'est comment son nom à lui? Copper quelque chose. Field! Copperfield! David Copperfield! Montre-lui ce qu'il aura à faire. Oh! Bonne chance, jeune blanc-bec! David Copperfield, je suis enchantée à votre service. Messieurs et gentlemen, je vous salue bien bas. Fais voir tes mains. Fais voir tes mains. Allez, vas-y, bougez-moi. À présent, jeune homme, observez, je vous prie. Maintenant, allez-y, à votre tour. Aucun mot ne saurait exprimer la secrète agonie de mon âme. Le sentiment profond d'être privé de tout espoir. La souffrance que c'était pour mon jeune cœur de me dire que jour après jour, tout ce que j'avais appris et pensé, tout ce qui m'avait réjoui, allait m'échapper peu à peu, pour ne m'être jamais rendu. C'est alors qu'au plus profond de mon désespoir surgit une lueur. Cette note d'espoir se révéla sous la forme d'un homme corpulent, âgé d'environ 40 ans, sans plus de cheveux sur son crâne que sur un œuf. Voici Monsieur Micawber. Monsieur Micawber est connu de Monsieur Murston, car en effet, il prend des commandes pour nous quand il en trouve.
Donc, vous allez habiter dans sa maison. Monsieur Micawber, voici David Copperfield. Très honoré, monsieur Copperfield. Ayant le sentiment que vos pérégrinations dans cette métropole n'ont guère été à ce que je pense très étendues et que vous pourriez avoir des difficultés à pénétrer les arcanes de cette formidable Babylone, bref, que vous pourriez vous perdre, j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à ma très humble demeure. Merci, monsieur. Patate. Oui, monsieur. Porte la malle de monsieur Copperfield. Oui, monsieur. Arrêtez! Micawber! Arrêtez-vous! Par ici, monsieur Copperfield, pressons-nous! Pressons! Obéis-moi, ou je lancerai des huissiers contre vous! Arrêtez! Monsieur Copperfield, s'il existe une seule vérité universelle qui doit être reconnue dans ce voyage à travers la vallée des larmes, c'est celle-ci. Revenu annuel 20 livres, dépenses annuelles 19 livres, 19 shillings, 6 pence. Résultat, le bonheur. Revenu annuel 20 livres, dépenses annuelles 20 livres et 6 pence. Résultat, la misère. Vous verrez ce que je pense et payez vos dettes. Rendez-nous notre argent. Payez ce que vous voulez. Les circonstances sont telles qu'il est donc impératif d'entrer dans l'humble demeure. Et cela non pas subrepticement, mais on ne peut plus discrètement, de façon détournée, en un mot, par la porte de derrière. Venez. Monsieur Micawber, vite. Vite, monsieur! Descendez, monsieur Copperfield! À vous l'honneur, monsieur Copperfield! Allez, allez! Permettez-moi de vous présenter Monsieur David Copperfield. Monsieur Copperfield. Monsieur Copperfield, permettez que je vous présente la protectrice de ma destinée, mon bras droit et ma muse. En somme, Madame Micawber, voilà. Très heureux, madame. Micawber! Montez, montez! Rendez-nous, ne sortira pas d'ici! Monsieur Micawber, a des difficultés qui sont presque insurmontables pour l'instant. J'ignore s'il lui sera possible de se tirer d'affaire. Dieu seul le sait. Oh, si les créanciers de M. Micawber ne veulent pas lui accorder de délai, alors ils devront prendre leurs responsabilités. Et plus tôt ils arriveront à une décision, mieux ce sera. Est-ce que M. Micawber est un bon ami de M. Murston, madame? Un ami? Je n'emploierai pas ce terme d'ami. C'est plutôt une relation de travail. Et puis, il est impossible de tirer du sang d'une pierre. De plus, il est impossible de tirer le moindre à-compte pour l'instant de monsieur Micawber. Oh. Ma famille est d'avis que monsieur Micawber devrait quitter Londres et aller exercer ses talents à la campagne. Monsieur Micawber a beaucoup de talent, monsieur Copperfield. J'en suis certain, madame. Ma famille est persuadée qu'en y prêtant attention, on pourrait employer un homme tel que lui au bureau des douanes de ce pays. Oui, oui. Et par ailleurs, moi, je reste confiant en l'avenir. Et après la pluie, le beau temps. Ma chère, levons nos verres à monsieur Copperfield. Soyez le bienvenu sous notre toit, jeune homme.
Excusez-moi, madame, je... S'il m'était possible de soulager vos maux, je le ferais. Monsieur Copperfield, merci de votre bonté. Je ne peux pas vous traiter comme un étranger. Et c'est pourquoi je n'hésiterai pas à vous dire que les difficultés de Monsieur Micawber ont atteint, cette fois-ci, un degré inquiétant. Vous me voyez navré de l'entendre, madame. Ce soir, à l'exception d'une seule croûte de fromage, ce qui n'est guère adapté aux besoins des tout jeunes enfants, il ne reste plus rien à manger dans cette maison. Monsieur Micawber a emmené les enfants chez le marchand de pain dans l'espoir d'obtenir encore un peu de crédit. Prenez ceci, madame. S'il vous plaît. Oh. Prenez. Non. Non. C'est un prêt, madame. Non. Jamais je n'accepterai. Mais vous pourriez peut-être me rendre un certain service. Tout ce que vous voudrez, madame. C'était à mon cher papa. Monsieur Micawber a trop de sensibilité pour se charger d'aller les mettre. Les mettre en gage, madame? Eh bien, je dirais plutôt. Il a du mal à en disposer. Et ses transactions sont trop pénibles pour moi. Mais si par hasard, vous, monsieur Copperfield... Je vais le faire, madame. De mon chemin. Vous l'avez, n'est-ce pas? Ne faites pas attention à lui, mon garçon. Vous avez bien dit qu'il s'agissait d'une méprise. Attendez, ne partez pas. Attendez. Voilà. Copperfield, venez. Oh, Copperfield, les fleurs sont fanées et les feuilles sont flétries. Le dieu du jour s'est finalement couché sur cette existence. Bref. Je suis perdu pour toujours. Mon ami, je ne vous abandonnerai jamais, monsieur Micawber. Emma, mon ange. C'est le père de mes enfants. C'est l'homme que j'ai pris pour époux. Et jamais je n'abandonnerai monsieur Micawber. Ne pleurez pas, madame. Je me suis rendue chez le prêteur sur gage. Qu'est-ce? Oh. Oh. Oh, Copperfield, vous êtes notre sauveur. Le loyer de la maison de Windsor Terrace sera payé jusqu'à la fin du mois. Et cela vous donne le droit d'occuper votre chambre, monsieur Copperfield. Ne laissez personne s'y opposer. Mon ami, allez chez le boucher pour y prendre de quoi dîner. Vous y achèterez des côtelettes de veau, du pudding pour les enfants et surtout, n'oubliez pas une pinte de brandy. Oui, monsieur. Oui. Pour ajouter à la misère quotidienne de mon existence, j'étais hanté par le sort terrible qui s'était abattu sur M. Micawber et sa famille. Je les imaginais enfermés à vie dans cette terrible prison, leurs enfants malingres et pâles, semblables à ces racines qui germent sur les pommes de terre dans la remise. Imaginez mon étonnement et ma joie quand un soir, alors que je m'apprêtais à sortir de cette maison déserte, j'entendis la voix de M. Micawber. M. Micawber ?
Oh, mon cher Copperfield, venez. C'est une parente à Madame Micawber, une tante qui, en entendant notre plainte, avance à la somme qui nous a permis de sortir enfin de ce lieu de désolation. Par ailleurs, elle précisait que nous pouvions abandonner sur le champ cette Babylone moderne pour aller à la campagne. Grâce à ma tante, nous sommes sauvés, pour le moment. Mais nous ne pouvions pas quitter Londres sans prendre congé de vous, Monsieur Copperfield. Votre conduite a toujours été des plus délicates et obligeantes. Vous n'avez jamais été un pensionnaire ordinaire. Vous avez été un ami. Oh, voiture ! Mon cher Copperfield, adieu. Je vous souhaite bonheur et prospérité. Et si pendant les années qui vont s'écouler, je pouvais me convaincre que ma pauvre destinée est servie d'avertissement pour vous, j'estimerais que notre amitié, aussi brève fut-elle, n'aura pas été vaine. En voiture ! Je vous en prie, monsieur Micawber. Je crois que vous devez partir à présent. Si d'aventure ma destinée change, ce dont j'ai le ferme espoir, je vous l'avoue, je serais extrêmement heureux s'il était en mon pouvoir d'améliorer votre position. Oh, voiture ! Adieu. Au revoir. Au revoir. Adieu, monsieur Copperfield. Une tante. C'est parce que monsieur Micawber avait fait allusion à une tante qu'est revenue à ma mémoire la figure légendaire de ma famille, mademoiselle Betsy Trotwood. Une tante ? Une tante ? Et donc, ta tante, tu dis qu'elle habite sur la côte ? Près de Douvres. À Douvres ? Mais c'est très loin. J'ai suffisamment d'argent pour le voyage. Je ne saurais dire avec exactitude combien de jours j'ai marché depuis Londres jusqu'à la terre du Kent sur la côte. Je n'avais pas de manteau. Mes chaussures étaient toutes trouées. Et mon précieux capital, qui se montait à 3 demi-pennies, m'avait été dérobé par un rétameur. Je me souviens d'avoir eu la sensation d'un trou dans mon ventre. Cette faim terrible qui me tiraillait sans que cela ne semble finir jamais. Quand j'atteignis enfin le cottage de ma tante, je me trouvais dans un état pitoyable. Aujourd'hui encore, j'ignore si ma tante avait légalement le droit de passage sur ce carré de gazon. Mais à ses yeux, la plus grande abomination qui soit, demandant continuellement vengeance, était le passage d'un âne en ce lieu immaculé. Les ânes ! Les ânes ! Les ânes ! Les ânes ! Oh ! Allez-vous-en ! Mon père a la loi pour lui ! C'est lui qui gagnera ! Sornette, partez! Allez, Madame! Madame! Hors d'ici! Je vous en prie, madame! Partez! Partez! Je ne veux pas de petit garçon ici! S'il vous plaît, ma tante! Pardon? Je suis David Copperfield de Blunderstone dans le Suffolk et ma mère m'a dit que vous étiez venu la nuit de ma naissance. Il était minuit et il y avait une tempête et vous auriez préféré une fille. Jeannette, l'eau ? Jeannette, le tonic. Monsieur Dick,
Vous voyez là le jeune David Copperfield. Et la question que je vous pose est celle-ci. Que dois-je faire de lui? Ce que vous devez faire de lui, madame? Que faire de lui? Oui, c'est ça. Et je veux un conseil très judicieux. Eh bien, si j'étais vous, je crois que je lui donnerais un bain. Monsieur Dick est d'excellents conseils. Parfait. Et voilà, monsieur David. Jeannette, les hommes! Oh, les hommes! Les hommes! Les hommes! Les hommes! Les hommes! Les hommes! Oh, mais arrêtez, espèce de vie stupide! Mais laissez-moi tranquille! Vous êtes sur ma propriété! Bonne nuit, ma tante. Oui, 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 oui. Bonne nuit, bonne nuit. Nous partons à Canterbury pour consulter Monsieur Wickfield. Que pensez-vous de ce cerf-volant, David? Il a une très longue ficelle, voyez-vous. Et quand il s'élève dans le ciel, il emporte mes écrits loin, loin, très loin. C'est ma manière de les diffuser au monde. Nous serons de retour avant la nuit. Monsieur Wickfield est mon homme de loi. Tenez, il n'y a rien à dire et il n'y a rien à faire dans quelque sens que ce soit tant que votre cas n'a pas été soumis à Monsieur Wickfield. Bonjour, mademoiselle Trotwood. Monsieur Wickfield est-il là, Uriah Heep? Il est là, mademoiselle. Voici mon neveu, ou devrais-je dire mon petit-neveu, David Copperfield. Enchanté et très heureux, monsieur Copperfield. Monsieur Wickfield est dans son bureau. Bien, restez là. Monsieur Copperfield peut très bien attendre dans mon bureau s'il le souhaite. Oui, bien entendu. C'est par là, monsieur Copperfield. Fille de monsieur Wickfield, Agnès. Votre tante a une grande admiration pour mademoiselle Agnès. Comme nous tous. Même quelqu'un d'aussi modeste que moi-même. Je suppose que vous êtes un bon avoué, alors, monsieur Heep. Moi, monsieur Copperfield, oh ciel, non, non. Je suis une personne modeste, cher monsieur Copperfield. Ma mère était aussi une personne très modeste. Mon père avait une profession très modeste. Il était fossoyeur. Où est-il aujourd'hui? Il est parti dans un monde meilleur, monsieur Copperfield. Mort, monsieur Heep. Hélas, monsieur Copperfield. Depuis quand travaillez-vous avec monsieur Wickfield? Cela fait 4 ans, monsieur Copperfield. Je vous remercie de vous en soucier. Un jour, peut-être, serez-vous associé à monsieur Wickfield. Wickfield et Heep. Oh non, monsieur Copperfield.
Je suis trop modeste pour ça. Quelque chose a-t-il été décidé? Ça y est, ma tante? Non, pas encore. Mais, en règle générale, les personnes qui fuient leurs responsabilités ne sont guère respectables pour moi, car il faut prendre le taureau par les cornes. Ainsi, on est assuré d'avoir le dessus. L'enfant a un esprit maussade et indocile, un tempérament violent et un caractère intraitable et pervers. De tous les petits garçons du monde, je pense que celui-ci est le pire. N'êtes-vous pas trop sévère? Pas plus que ne le justifie la réalité. Je suis venu afin de l'emmener sans condition, pour disposer de lui et cela comme bon me semblera. Et faire de cet enfant ce qui doit être fait. Ah oui. Je dois vous avertir, mademoiselle Trotwood, que si vous vous interposez entre lui et moi maintenant, vous vous interposez définitivement. Ma foi. Je ne plaisante pas. Est-il prêt à partir? Car s'il ne l'est pas, ma porte lui sera désormais fermée pour toujours. Et je considérerai que la vôtre lui sera par conséquent ouverte. Oh, ciel, Seigneur Dieu, David, êtes-vous prêt à partir? Ma chère tante, je vous supplie du plus profond de mon cœur, pitié, ne m'obligez pas à le suivre. Oh, Monsieur Dick, que dois-je faire avec ce petit? Lui prendre ses mesures pour lui confectionner un costume. Monsieur Dick, donnez-moi votre main. Oh, votre bon sens est inestimable, c'est certain. Croyez-vous que je n'ai pas compris quel genre de vie vous avez dû faire endurer à cette pauvre créature désarmée et vulnérable, monsieur, qui était la mère de cet enfant, avec vos sourires affectés et vos yeux arrondis, pour la séduire en persuadant cette pauvre petite que vous étiez incapable de faire du mal à une mouche? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi extravagant, Dieu m'en soit témoin. Mademoiselle Trotwood. Si vous étiez un homme, je... Ce ne sont que des sornettes. Je n'aurais cure d'y répondre. Quel est cet étrange langage? Et quant à vous, madame, si jamais je vous vois passer à dos d'âne sur ma propriété, alors aussi vrai que vous avez une tête sur votre cou, j'arracherai votre bonnet pour le piétiner. Oh, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de la sorte de toute ma vie. Monsieur Dick, la barrière. Non, oh. Non. Monsieur Dick, considérez-vous comme le tuteur de cet enfant conjointement avec moi-même. Tuteur? Conjointement? J'en serais ravi. Oh, fort bien. J'ai pensé que, peut-être, je pourrais t'appeler Trotwood. Trotwood Copperfield. Qu'en dis-tu, mon garçon? C'est ainsi que je commençais ma nouvelle existence, avec un nom nouveau et dans un cadre entièrement nouveau. Le rideau était tombé sur ma vie chez Merston et Grimby. Ce n'est que pour les besoins de ce récit que je l'ai soulevé à contre-cœur. Ma tante m'inscrivait à l'école du Dr. Strong, à Canterbury. Et pendant mes études, je logeais chez M. Wickfield et sa fille,
Agnès. Agnès. Sa mère était morte en la mettant au monde. Et comme moi, c'était une enfant unique. Très vite, elle devint ma plus tendre amie, ma sage conseillère, ma très chère sœur. Les années passèrent. Lorsque j'atteignis l'âge où j'avais définitivement quitté l'enfance, ma tante décida que je serais avouée et m'envoya à Londres. Elle parvint à me faire entrer en apprentissage au bureau de Spenlow et Jorkins du Collège des docteurs. Ah. Copperfield. Oh, pardon. Excellent. Entrez. Entrez. Sur le bureau, je vous prie, Copperfield. Ah. Au bureau du chancelier. S'il vous plaît. Qu'attendez-vous aller ? Confus. Monsieur, c'est moi qui vous fais mes excuses. Alors c'est ma faute, je vous assure. Je suis terriblement désolé. Traddles. Copperfield. David Copperfield, par exemple. Oh, je suis ravi de te revoir. Moi aussi, je suis très heureux de t'en voir. Laisse-moi te regarder. Comment on peut dire que cela m'a changé? C'était Tommy Traddles, mon vieil ami de l'institution de Salem. Ma tante m'avait trouvé un logement à Buckingham Street. Pour modeste qu'il fût, je m'en contentais grandement. Alors que je songeais à prendre quelques jours de congé, mon patron, M. Spenlow, m'invita à passer la soirée dans sa maison, à la campagne. Élégant, non ? Fletcher contre Fletcher. Une dispute entre deux cousins au sujet d'une parcelle de terre. Fletcher contre Fletcher. Extrêmement lucratif. Mais naturellement, la meilleure affaire pour notre profession, c'est celle d'un testament contesté. Une véritable petite fortune. Il est vrai, avec ce genre de procédure, d'arguments contre arguments, de témoignages en interrogatoire et contre-interrogatoire, etc., etc. Étant donné que le coût est invariablement prélevé sur l'héritage lui-même, eh bien les adversaires s'attaquent à l'affaire avec entrain, sans regarder le moins du monde à la dépense. Pouf ! Ce qui est fait pour nous réjouir, nous autres. Belle maison, monsieur. Copperfield. Ma fille, Dora. Je fus alors englouti dans un abîme. Je ne pouvais ni m'arrêter sur la berge, ni jeter un regard en arrière. J'étais tombé la tête la première.
J'aimais Dora Spenlow à la folie. Quand soudain... Et je vous présente sa confidente et sa dame de compagnie, Mademoiselle Murston. Hélas, la mère de Dora n'est plus de ce monde. J'ai déjà eu quelques relations avec Monsieur Copperfield. C'était au temps de son enfance. Les circonstances nous ont séparés depuis lors. Je ne l'aurais pas reconnu. J'étais sous le charme de Dora. Je sombrais dans une folle rêverie. Mais je ne pouvais m'y abandonner entièrement, tant le spectre du passé planait sur moi. Comment s'appelle-t-il ? Excusez-moi. Il s'appelle Gips. Dora, je dois vous enlever un instant. Excusez-moi. Venez, mon enfant. Oui, Rose. David Copperfield, un mot. Je ne vous cacherai pas que je me suis fait une opinion très défavorable sur votre compte dans votre enfance. Il se peut que mon opinion soit fausse, ou que vous ayez cessé de la justifier. Là n'est pas la question pour l'instant. Il se peut que j'aie une opinion à votre sujet, comme vous en avez peut-être une sur moi. Mais il n'est guère nécessaire que nos opinions entrent ici en conflit. Il serait préférable de l'éviter. Rencontrons-nous donc comme de vagues parents, de lointaines connaissances. Êtes-vous d'accord ? J'avais dit que je reviendrais, Monsieur Copperfield. Vous et Mademoiselle Murston parliez du bon vieux temps. Du bon vieux temps ? Grand Dieu, Dora, ma chère, notre relation était très vague. N'est-ce pas, Monsieur Copperfield ? L'instant m'était donné de parler, de dire la vérité. Non, de la hurler. Très vague. Une lueur de triomphe et de mépris illumina son regard. Je comprends maintenant. J'admets la justice de tout cela. J'avais choisi le chemin le plus facile, celui de la lâcheté. Spenlow, je suis surpris de vous trouver dehors de si bonne heure. C'est le moment le plus lumineux de la journée. Ne trouvez-vous pas ? Il l'est pour moi, maintenant. Quelques instants auparavant, il ne l'était pas tant. Est-ce là un compliment ? Ou le temps aurait-il changé ? Je n'ai pas noté que le temps ait changé. Vous venez de rentrer de Paris, n'est-ce pas ? Oui. Y êtes-vous jamais allé ? Non, non. Oh, vous devriez vous y rendre, cela vous plairait. Voyagez-vous souvent, Monsieur Copperfield ? Eh bien, je me rends à Yarmouth dans un ou deux jours pour voir des amis. Yarmouth, c'est une ville sur la côte, non ? Oui. Mademoiselle Spenlow. Dora ! Dora ! Quelle assommante créature ! Quelle étrange idée a eu papa de choisir cette personne pour me tenir compagnie ? Dora !
Dora ! C'est très désagréable d'avoir une vieille femme aussi maussade accrochée à vos basques. Oui. Peut-être devriez-vous en parler à votre père. Je n'oserais jamais. Votre père vous demande. Pressez-vous. Au revoir, monsieur Copperfield. N'oubliez pas que nous ne sommes, vous et moi, que de très vagues connaissances. Le passé est mort. Je l'entendais à peine. Monsieur Copperfield. Je ne pensais qu'à Dora. Dora. Monsieur Copperfield. Dora. Dora. M'entendez-vous, monsieur Copperfield ? C'est dans une sorte de transe que je regagnais mon logement en ville. Je fis plusieurs tentatives pour travailler sur mon livre, mais il n'en sortait rien de bon. Car à chaque phrase, le mot Dora apparaissait par mes gardes. À la fin, je décidai de me distraire en allant au théâtre. Monsieur Merston. David. Vous sortiez ? Je vais au théâtre voir une pièce. Alors, je ne vous retarderai pas. J'ai reçu un mot venant de ma sœur cet après-midi. Les hasards de la vie semblent nous avoir remis en présence. Oui. Ma sœur n'a aucune envie de raviver les souvenirs du passé. Nos différences. J'en ai d'ores et déjà parlé avec Mademoiselle Merston. Vous honorerez cet arrangement, je l'espère, David. Et peut-être croyez-vous avoir plus à dire sur elle et sur moi, à notre détriment. Mais tout autant, nous aurions beaucoup à dire sur votre propre compte. Croyez-vous donc que j'ai la moindre envie de ressusciter le passé, monsieur Merston ? Il est bien trop pénible pour moi. Dans ce cas, David, je ne vous retiens pas. La nouvelle, Madame Merston. J'aurais été très honoré qu'il fasse votre connaissance, mais je m'en voudrais de vous mettre en retard. Ce visage triste et pâle me hante encore aujourd'hui. Je savais quelle était sa condition. Je savais les souffrances qu'il lui faisait endurer, semblables à celles qu'avait endurées ma pauvre mère. Je voulus parler, mais je n'osais pas, car je ne savais quoi dire. Donc, je me rendis au théâtre. À la fin de la pièce, tandis que je sortais, je rencontrai un autre fantôme de mon enfance, mais celui-ci n'avait rien d'un spectre sombre, au contraire. C'était une joie lumineuse de revivre ces rares moments de gaieté fugitive. Il s'agissait de James Steerforth. Steerforth ! Mon ami et protecteur à l'institution de Salem. Steerforth ! Steerforth ! Attendez ! Attendez-moi, Steerforth ! Vous ne me reconnaissez pas, je le crains. Oh, mon Dieu, c'est le petit Copperfield. Mais tu es resté le même, voyons que je te regarde, mais tu n'as pas changé du tout. Mon cher Steerforth, oh, jamais, jamais, jamais je n'ai été si heureux. Je suis fou de joie de vous revoir. Et que diable fais-tu ici ? J'assistais à la pièce. Quel spectacle délicieux et magnifique, c'était un vrai bonheur. Mon cher petit David. Tu es une pâquerette.
La pâquerette des champs au lever du soleil n'est pas plus fraîche que toi. Je trouve que c'est la plus mauvaise pièce qu'il puisse y avoir. Un spectacle misérable, affligeant. Pardonnez-moi, Sir Fort, la boutique du caviste est fermée. J'ai dû me rendre à la taverne. Ainsi, tu écris un livre, pâquerette. Oh, c'était rien. Des histoires et des scénettes. Tu as toujours aimé les livres. Tu es romantique. Je me souviens de ce que tu lisais pour moi. Je n'ai plus guère de compagnie à présent. Quand vas-tu à Yarmouth? Demain. Londres est devenue d'un tel ennui pour moi. Et j'avais envie d'acheter un bateau. Si tu acceptes ma compagnie, j'irai avec toi. Mon cher Steerforth, j'en serai honoré et enchanté. Dans ce cas, c'est arrangé. Et ainsi, nous partîmes ensemble pour ce fatidique voyage. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Steerforth. Une fois arrivés, nous nous séparâmes. Steerforth était désireux de visiter la ville. De mon côté, je me rendis chez Peggotty et son époux Barkis, qui était souffrant. David! Oh, mon cher petit! Laissez-moi vous regarder! Barkis va être si content. Ça lui fera plus de bien que mes cataplasmes. Comment va-t-il, Peggotty? Mal. Très mal. C'est rhumatisme. Mais entrez, venez le voir, mon cher enfant. Eh bien, Barkis, voici un médicament pour toi. Monsieur David, c'est donc vous? Oui, monsieur Barkis. Oh. Pardonnez-moi si je ne vous serre pas la main, monsieur. Mais si vous voulez secouer mon bonnet de nuit, eh bien, cela me ferait plaisir. Cela m'attriste de vous voir ainsi, monsieur Barkis. Oh, cela m'attristerait bien aussi. S'il n'y avait pas une certaine dame. C'est la plus utile et la meilleure de toutes les femmes qui soient. C'est Clara Peggotty Barkis. Non, Barkis. C'est la vérité. C'est l'entière vérité. Il n'y a rien de plus sûr. Aussi sûr que les taxes, ça oui. Car rien n'est plus sûr que les taxes. Voyez comme c'est sauvage ici, Steerforth. La mer semble désireuse de nous engloutir. C'est là. C'est la petite Émilie. Comment allez-vous? Fort bien, monsieur David. Je vous présente mon ami Steerforth. Steerforth, voici Émilie, je vous ai parlé d'elle, non? L'ami d'enfance de Pâquerette, sa compagne de jeu et sa compagne de rêve. Il rêvait qu'il était un grand écrivain et de vous en grande dame. Vous lui en avez parlé? Oh non, sinon par qui l'aurais-je su? Ce n'était que des rêves d'enfant. Et je suis plus grande. Et plus sage? Je l'espère. Nous échangeons nos rêves contre la sagesse. Seulement, est-ce un bon échange? Monsieur David! Monsieur David! Monsieur David! David! Notre charmante petite Émilie n'est pas ma fille, monsieur.
Oui, je comprends, monsieur Peggotty. Cependant, je ne pourrais pas l'aimer davantage. Je n'en doute pas un seul instant. Voyez-vous, il existe une certaine personne qui a connu notre Émilie depuis l'instant où son malheureux père s'est noyé. Ce n'est pas un personnage avec de la classe. C'est une personne de mon espèce, rustre. Semblable au surroi, si je puis dire. Très salé. Mais c'est une honnête personne. Et son cœur est bien placé. Alors, que croyez-vous qu'il ait fait ce diable de Mathurin, hein? Il s'est laissé prendre le cœur par notre petite Émilie. Tout d'un coup, un soir, voilà qu'Émilie rentre de son travail, et lui, il est avec elle. Et il est là qui crie à la ronde, tout joyeux. Voilà celle qui sera ma petite femme. Et elle me dit, moitié brave et moitié craintive, « Oh oui, mon oncle, s'il te plaît. S'il me plaît. Maintenant, veuillez tous lever vos verres. Oh, voilà pour vous, madame Gummidge. À la santé de notre Émilie. Et de Ham. À Émilie et Ham. » Une bien séduisante petite beauté, Émilie. Mais le gaillard n'est-il pas trop rude pour elle, hein? Ma foi, quel étrange endroit. Quelle étrange compagnie. C'est une sensation nouvelle d'être mêlée à elle. Le lendemain, je me rendis à Blunderstone pour m'incliner sur les tombes où mes parents reposaient l'un à côté de l'autre. La brise qui agitait les branches des ifs me murmurait ces jours anciens, ces jours heureux avant que ma mère n'épousât Monsieur Murstone. Mais la brise me murmurait aussi autre chose. Un nom. Le nom de Dora Spenlow. Je revins plus tôt que prévu à Yarmouth. Mon esprit tout occupé par ce nom, comme en proie à un sortilège. Si vous le souhaitez. Ce fut un enchantement. Au revoir, ma chère. Pâquerette! Déjà de retour? Nous nous sommes rencontrés par hasard. Charmante enfant, quel dommage qu'elle n'ait pas eu d'éducation. Écoute, Pâquerette. Si d'aventure un événement nous séparait. Souviens-toi de moi comme de ton meilleur ami. Steerforth. Non, attends. Tu dois promettre avant. Tu n'es ni mon meilleur ami, Steerforth, ni le pire. Je t'aime de façon égale dans mon cœur. Bien. Bien. J'apprécie beaucoup. Mademoiselle Spenlow. Celui-ci est le morceau que je préfère. Mais il me rend nostalgique. Dora. Ma très chère Dora. Je vous aime. Je vous ai aimé chaque instant de la journée et de la nuit depuis le premier jour où je vous ai vue. Je mourrai sans vous. Ne me tuez pas. Dites que vous m'aimez aussi. Dites que vous serez mienne. Je ne pourrais me marier sans que papa y consentit. Tant que vous acceptez. Oh, Dora, mon cher amour, allons lui demander votre main. Oh, non, non, c'est trop tôt. Lorsque vous serez établie, voyons. Mais cela prendra des années. Et je meurs d'amour pour vous. Nous devons être prudents. Papa pourrait découvrir notre secret. Ne soyez pas triste. Nous nous verrons souvent. Et vous pourrez m'écrire. Vraiment? Oui, mais en secret, toujours en secret. Vous adresserez vos lettres à ma domestique. Dora, Dora, mon ange.
Bonsoir, monsieur Wakefield. David, voici monsieur Waterbrook. David. Monsieur. J'ai vu votre tante la semaine dernière. Elle semblait aller fort bien. Elle va toujours bien. Je vous laisse rejoindre Agnès. Elle est là. Regardez. Merci, monsieur. Alors, mon cher, où en étions-nous? Agnès, c'est toujours une joie de vous revoir. Donnez-moi vite de vos nouvelles avant que l'homme soit interrompu. Primo, qu'en est-il du collège des docteurs? Secondo, continuez-vous à écrire votre livre? Et Tertio, êtes-vous tombé amoureux? Je vous dirai, Primo, que le collège des docteurs me plaît beaucoup. Secondo, je crains que mon livre ne soit jamais fini. Et quant au Tertio, qu'est-ce qui vous fait croire que je puisse être amoureux? Ne sommes-nous plus frères et sœurs, Trot? Ne vous connais-je point? Peut-être ai-je changé. Sinon, pourquoi irais-je penser que vous êtes amoureux? Mais vous ne pouvez pas vous consacrer à cet amour avant d'avoir terminé votre livre. Pourquoi ne le finiriez-vous pas? Ce n'est qu'un modeste ramassis d'histoires et de scénettes. Mais n'ont-elles pas de point commun? Mais si. Lequel? La vie moderne. Mon idée est de faire un roman de ces récits. Mais j'ignore comment. N'en faites rien. Les assemblées seraient une erreur. Cela s'appellera Scénettes de la vie moderne. Cela ne suffira pas à faire un livre. Écrivez-en plus. Oh, monsieur Trotwood. Oh, mais monsieur Copperfield, devais-je dire? Uriah Heep. Trotwood me vient plus aisément. Mais comment allez-vous? Oh, vous me trouvez flatté d'être remarqué par vous en telle compagnie. Tant de prestigieuses étoiles au firmament de la législation, dont une écrasée pour un sentiment d'extrême modestie. Monsieur, mon père... Oh, voyez, on m'appelle, semble-t-il, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Copperfield. Mais que diable fait-il ici? Papa l'a nommé son principal associé. Très heureux. Je vous présente, monsieur. Bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est vrai. Mais enfin, pourquoi? Il a profité de mon pauvre père, de sa faiblesse. Il l'a exploité, il a profité de lui jusqu'à... Il n'est pas convenable que votre fille s'affiche à ce genre de garçon. Papa a peur de lui. Pour moi et pour mon père aussi, montrez-vous aimable avec lui. Je dois vous l'enlever, Trotwood. Je ne pense pas malheureusement que ce soit possible, mais j'étudierai votre requête. Ma chère mademoiselle Agnès, vous devriez peut-être éviter. Il est exact que son père est mort. Qu'en a-t-il obtenu? Elle veut ça pour votre vie, mademoiselle Agnès. Je veux savoir comment ça va être souffrante. J'ai eu de ces problèmes par votre ami Simpson. J'espère qu'elle va mieux. Oh, ciel, Copperfield, je suis ravi de vous voir. Laissez-moi vous présenter Sir George Dixon. Je te laisse, toi. Dixon, je vous présente Monsieur Spenlow. Bonsoir, enchanté. Très cher Dora. Prenez garde, si papa s'en apercevait. Je n'aurais jamais pensé vous voir ici. Papa a tenu à m'emmener. Alors imaginez ma résistance et mes plaintes. Avez-vous reçu ma lettre? Oh, je... L'avez-vous? Folie, monsieur. Un tel flot de mots. Je jure de ne pas en avoir saisi la moitié. Trot? Dora, mademoiselle Spenlow, je vous présente mademoiselle Wakefield. Agnès, voici mademoiselle Spenlow. Lorsque j'étais à Canterbury, je logeais avec mademoiselle Wakefield et son père. Charmant. Venez-vous d'arriver, mademoiselle Spenlow? Un instant. Excusez-moi, mesdames. Copperfield, j'aimerais vous présenter Sir George Dixon. Excusez-moi.
Seriez-vous parente avec Spenlow et Jorkins? Monsieur Spenlow est mon père. Sir George Dixon, je suis très honoré. Monsieur Copperfield, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler. Hors de question qu'il soit prévenu, sinon tout était compromis. Oh, mais dans ce cas, posez-lui la question vous-même. Traddles, je t'interromps. Peux-tu m'excuser une minute? Oui, oui, bien sûr. Dora, comment avez-vous trouvé Mademoiselle Whitfield? Très, très agréable. Oui. Et si intelligente. Je pense que si je l'avais eue pour amie il y a longtemps, je serais plus intelligente, moi aussi. Sornette. Tous ces ouvrages qu'elle a lus, et quels ouvrages, poésie, histoire, philosophie. Elle me fait un peu peur. Dora, je vous ai vu parfois avec un livre. Mais de stupides romances avec ducs et diamants et mornes passions. Comment avez-vous pu tomber amoureux de moi? Comment vous voir sans être épris de vous? Imaginez qu'on ne se soit jamais vu. Imaginez qu'on ne soit jamais né. Quelle agréable soirée, ne trouves-tu pas, ma chérie? Oui. Que pensez-vous d'elle? De Mademoiselle Spenlow? Et vous dites ne pas être amoureux? Que pensez-vous d'elle? Son père est au courant? Alors prudence. Monsieur Copperfield, oh, quelle merveilleuse soirée. Hélas, vous et moi n'avons guère eu loisir de discuter. Mais vous a-t-on informé de la nouveauté quant à ma condition? Oui. Quel être respectable, ce monsieur Wickfield, c'est vrai. Oh, mais il a été imprudent. Oh, tellement, oui. Cependant, c'est là un propos dont je ne parlerai à personne, sauf à vous. Oh, il y a eu de grandes pertes. Disgrâce, que sais-je encore? Mais j'ai pu être le très humble instrument de sa rédemption. Et donc, il m'a placé sur un piédestal que je n'aurais espéré atteindre. Je vous en félicite. Oh, merci. Et ne jugerez-vous pas mal mon humilité si je vous fais une petite confidence ce soir? Faites. Avez-vous remarqué combien Mademoiselle Wickfield était particulièrement ravissante? Oui, en effet. Oh, merci. Mais pourquoi me remercier? Eh bien, c'est là la confidence que j'ai pris la liberté de vous soumettre. Oui, humble comme je suis, monsieur Copperfield, l'image d'Agnès Wickfield est dans mon âme depuis de nombreuses années. Oh, monsieur Copperfield, oh, avec quelle pure affection, j'ai pu adorer le sol que mon Agnès avait foulé. Est-elle avertie des sentiments qui sont les vôtres? Oh, si elle... Non. Personne ne le sait sauf vous. Elle est encore très jeune. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Je dois tout d'abord songer à m'installer. Et il y aura bien par la suite un moment pour lui avouer mes espoirs et ce que je peux lui offrir. Je vais par là, vers la ville. Eh bien, moi, par là. Ah, nous nous séparons donc. Si vous aviez la bonté de taire mon secret et d'éviter d'agir contre moi, je vous en serais très reconnaissant. Mais vous êtes comme un frère pour elle, monsieur Copperfield. Vous ne voudriez pas son malheur. Donc, je vous souhaite bonne nuit. Tout d'abord, j'étais trop en colère pour penser avec clarté. Ensuite, lorsque je fus suffisamment maître de moi pour réfléchir, j'estimais que la meilleure attitude à avoir était de ne rien faire et de garder pour moi ce que j'avais appris.
Je laisserai le soin au lecteur de juger du bien fondé de ma décision. J'en étais à cette étape de ma vie, tandis que je partageais un abominable repas chez Traddles, quand le hasard fit surgir sur ma route un ancien ami. À l'institution de Salem. À l'institution de Salem. Tu te souviens des coups de canne du vieux Creakle? Mon cher Traddles, ce vieux Creakle t'a frappé chaque jour où il t'a vu. Il était brutal envers toi. Oh, peut-être l'était-il. Mais l'institution de Salem avait aussi ses bons côtés. Tiens, tu te souviens des histoires que tu nous racontais le soir dans le dortoir? Oui, je... Ce doit être mon logeur. Pour le loyer. Bonsoir, monsieur Micawber. Oui. Voilà. Monsieur Micawber, comment allez-vous? Monsieur, vous êtes extrêmement obligeant. Je suis en statu quo. Et madame Micawber? Elle est aussi, Dieu merci, en statu quo, tenez. Et vos enfants? J'ai la joie de vous dire qu'ils bénéficient pareillement d'une santé normale. Est-ce possible? Aurais-je le plaisir de contempler de nouveau Copperfield? Monsieur Micawber, je suis si heureux de vous revoir. Mon cher Copperfield! Oh, madame Micawber! Madame Micawber! Madame Micawber! Ma chère, il y a ici un monsieur qui s'appelle Copperfield et qui souhaiterait renouer ses relations avec vous. Mon cher Copperfield. Ah, voilà qui est luxueux. Et cela me rappelle une période où j'étais moi-même dans des circonstances plus aisées. Les circonstances sont difficiles, monsieur Micawber. Encore récemment, j'étais dans le commerce du maïs, payé à la commission. Ce n'était guère une activité des plus rémunératrices, je dois l'admettre. Ça ne payait pas, monsieur Copperfield. Monsieur Micawber est à présent dans une situation dommageable et sans le moindre emploi. Qui porte la responsabilité de cela? Qui? La société! Ce que monsieur Micawber doit donc faire, c'est finalement jeter le gant à la société et dire en fait, montrez-moi qui va le relever. Et si volontaire il y a que cet homme s'avance devant moi sur le champ. Mais comment pouvoir réussir cela? De quelle façon? En passant des annonces dans les revues. Et il me semble donc que ce que monsieur Micawber doit faire pour se rendre justice à lui-même et rendre justice à la société, c'est de passer des annonces dans toutes les revues. Comment va-t-il, Peggotty? Il s'en va avec la marée. Peggotty, tu es là? Tu es là, Peggotty? Il revient à lui. Peggotty? Est-ce que... Narcisse, mon chéri. Tu es là? Clara Peggotty, Marcus. La meilleure femme qui existe sur Terre. Regarde, c'est Monsieur David. Oh. Marquis veut bien. C'est à moi qu'incombe la triste charge de prévenir le frère de Peggotty. J'ignore.
j'ignorais alors que j'allais apprendre une disparition encore plus importante. Du ciel, dites-moi ce qui se passe. Elle est partie. La petite Émilie. La fierté et l'espoir de mon cœur. Elle est partie. Quand toi, toi qui m'aimes bien plus que je ne te mérite, quand tu liras ceci, je serai bien loin. Quand je quitterai mon cher foyer demain matin, ce sera pour n'y revenir jamais. Sauf s'il fait de moi une grande dame. Monsieur Peggotty. Ce n'était pas votre faute, monsieur David. Vous n'avez pas de reproche à vous faire. Ma faute? Mais je ne comprends pas. Le nom de ce manant est Steerforth. Et c'est un sacré vilain. Où allez-vous, Daniel? Cherchez ma pauvre nièce dans sa honte pour la ramener. Non, Daniel, non. Je m'en vais la chercher dans le lointain. S'il devait m'arriver malheur, dites-lui que mes dernières paroles pour elle étaient « Mon enfant chéri, conserve toute mon immense affection. » Dites-lui que je lui pardonne. Ce fut le premier choc d'une série d'événements violents qui, l'un après l'autre, ensevelirent mes jeunes années. Le prochain fut plus léger en comparaison, même s'il s'avéra capital par sa portée et prit naissance lors d'une visite innocente chez Monsieur Micawber. Oui. Oh, ah, bien, mes chers amis, vous ne serez peut-être pas surpris, vous qui m'écoutez, d'apprendre aujourd'hui qu'une extraordinaire occasion s'est présentée. Je suis sur le point de m'établir dans l'une des cités provinciales de notre île favorite, en lien immédiat avec, jugez plutôt, avec une des professions libérales. Et donc, vous vous trouvez à la veille d'une migration, alors il faut excuser l'inconfort dans lequel nous vous faisons l'affront de vous recevoir. Ma famille peut parler de bannissement si ça lui plaît, mais je suis une épouse et une mère, et jamais je n'abandonnerai Monsieur Micawber. Ce n'est pas un si grand sacrifice de m'emmurer ainsi dans un évêché. Dans quel évêché allez-vous? À Canterbury, j'ai conclu des arrangements en vertu desquels je suis tenu et obligé par contrat envers Monsieur Uriah Heep. Uriah Heep? Pour l'aider et le servir comme secrétaire particulier, je serai son principal clerc. Ainsi, vous connaissez Monsieur Heep? Oui, en effet, madame. Et il est de mon devoir de vous mettre en garde contre lui. Mon cher Copperfield, je suis obligé de vous avouer que ce sont les remarques très avisées de Madame Micawber qui ont conduit à un tel résultat. Ce gant jeté dont elle avait parlé lors de notre précédente rencontre, eh bien ce gant jeté sous la forme d'une annonce, ce gant a été relevé par mon ami Heep. Votre ami? Disons que je me flatte peut-être. Je connais Uriah Heep. Je le connais depuis que je suis enfant. Un être faux, intrigant et vil. Non. Traddle, soutiens-moi. C'est un homme qui est loin d'être admiré par la profession, mais plutôt redouté. C'est là une opinion qui sollicite une pause, certes, mais des soucis pécuniaires et l'engagement qui en résulte m'ont fait conclure un pacte d'alliance. De graves difficultés ont pu être anticipées dans cette tentative permanente d'échapper à ces sempiternelles tracasseries. Et en somme, j'accepte... Monsieur, il va solder toutes nos dettes, monsieur Copperfield. Nous ne devons plus rien à personne. La famille Micawber partit s'installer à Canterbury. J'avais régulièrement des nouvelles d'Agnès, et même si dans ses lettres je n'isais rien d'alarmant, je ne pouvais m'empêcher d'être inquiet à son sujet. Je ressentais un certain malaise. Monsieur Copperfield, venez dans mon bureau, je vous prie.
Monsieur Merston. Mademoiselle Merston. David. Mademoiselle Merston, ayez la bonté de montrer à Monsieur Copperfield ce que vous m'avez montré. Je crois que c'est là votre écriture, Monsieur Copperfield. Oui, monsieur. Ah. Merci, Mademoiselle Merston. Nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Pardon ? Mais mon frère et moi sommes venus jusqu'ici, cela malgré la perte il y a à peine un mois de son épouse. Vous le voyez plongé dans le deuil. Jane Merston, assez. Ma peine n'est pas le sujet qui nous occupe. Ma sœur, il est vrai, a toujours beaucoup à dire. Votre sœur, Monsieur Merston, a rempli son devoir. Et désormais, ça ne concerne plus que moi et Monsieur Copperfield. Fort bien. Je proteste! Jane! Mais Monsieur Copperfield témoigne d'une conduite abominable! Jane Merston! Veuillez tenir votre langue! Eh bien, Monsieur Copperfield, avez-vous quelque chose à me dire? Il n'y a rien que je puisse vous dire, si ce n'est que le seul coupable, c'est moi. Dora... Mademoiselle Spenlow, voulez-vous dire, j'imagine. Mademoiselle Spenlow a été persuadée par moi de consentir à ce secret, et je le regrette amèrement. Mais mon amour ne peut être que ma seule excuse. Mais de grâce, n'allez pas me dire en face que vous aimez ma fille, monsieur. Irais-je défendre ma conduite s'il en était autrement? Pourrez-vous défendre cette conduite si tel est le cas? Avez-vous considéré que... Quel âge a ma fille et quel âge vous-même vous avez? Quelles sont vos perspectives? Combien d'années devez-vous patienter avant de gagner le moindre penny de votre fonction? Mais il y a mon livre, monsieur. Pardon? J'écris un livre. Il va être publié. J'en tirerai un prix intéressant. Quelle est cette extravagante idée? Monsieur Copperfield, votre naïveté face à la vie... est aveuglante. Consultez vos amis, vos relations, des personnes ayant quelque expérience du monde. Voyez quels sont les conseils qu'ils pourraient vous donner. Mais désormais, vous ne devrez communiquer en aucune manière avec ma fille. Est-ce bien entendu? C'est entendu. Sur votre honneur, celui d'un gentleman. Sur mon honneur, celui d'un gentleman. Avec soin et précision, gardez les yeux sur votre ouvrage. Je pris la décision d'aller rendre visite à ma tante dans le Kent. Imaginez ma surprise en la trouvant dans mon appartement. Ma chère tante... Mais quelle heureuse surprise! Trot, comment vas-tu? Monsieur Dick, comment allez-vous? Oh, bonjour. Ma tante, ne seriez-vous pas plus à l'aise sur ce sofa? Non. Non, je préfère rester assise sur mes propres biens. Comme il vous plaira. Eh bien, Trot, as-tu acquis de la fermeté et de la confiance? Je l'espère. Mais le crois-tu? Je le crois, oui. Dans ce cas, pourquoi, mon cher Trot, crois-tu alors que Betsy Trotwood préfère rester assise sur ses biens personnels? Je l'ignore. Parce que c'est tout ce qui lui reste. Parce qu'elle... elle est ruinée. Ruinée? Betsy Trotwood avait quelques biens personnels. Et contre les conseils de son homme d'affaires, je fais allusion à Monsieur Wickfield, elle a investi dans l'or, mais ce fut un fiasco. Alors, elle a investi dans la banque, mais elle a à nouveau tout perdu. Enfin, elle a investi dans le commerce maritime, et cette fois, elle perdit jusqu'au dernier penny. Perdu. Ah. J'ai considéré votre requête, Copperfield. J'ai même discuté de cette affaire avec... Monsieur Jorkins.
De prime abord, je ne vois là aucun motif, enfin au sens légal du terme, qui permette d'annuler l'engagement que votre tante a signé, ou de prétendre récupérer la somme qu'elle a payée, naturellement. Si la décision ne tenait qu'à moi, mais vous avez Monsieur Jorkins. Spenlow, je voudrais... Je reviendrai plus tard. Vous permettez que j'expose mon cas directement à Monsieur Jorkins? Oh, mais qu'à cela ne tienne. Faites donc. Oui, mais... Oh, pardonnez-moi, je vous prie. Mais j'ai un rendez-vous au bureau de la Chambre des Lords. Je dois partir sur le champ. J'ai le regret de vous dire que je ne peux servir vos intérêts, Copperfield. Et j'ai également un rendez-vous à la banque. Monsieur, ma tante devra cesser de me verser une pension. Si je suis obligé de continuer à travailler ici, sans aucun salaire, de quoi vais-je vivre? Je vois votre difficulté, Copperfield, je vous assure. Mais si Monsieur Spenlow s'y oppose... Personnellement, il n'y a pas d'objection. Personnellement? Oh, mais je vous assure qu'il y a une objection. C'est sans espoir, je le crains. À présent, je dois vraiment aller à mon rendez-vous à la banque. Ma foi, ils ne veulent pas, et nous ne pouvons rien y faire. Cependant, il faut étudier l'affaire de Betsy Trotwood en détail et voir de quoi il retourne. Monsieur Dick a... Monsieur Dick a 100 livres par an, Dieu merci. J'ai un peu d'argent liquide et ce cottage, c'est tout. Ce cottage doit être vendu, ma tante. Oh. Mais il y a une petite chambre à l'étage qui irait à Monsieur Dick. Mm-hmm. Et vous pourriez prendre la mienne. Mais... Et moi, je dormirai sur le sofa. Quant à l'argent, eh bien, il y a mon livre. Si j'arrive à en tirer un prix convenable, je serai libéré du collège des docteurs. Et j'épouserai Dora sans plus attendre. Trot. Oh, Trot. Que dis-tu? Oh, ainsi te voilà amoureux, mon garçon. Je l'adore de toute mon âme. Dora Spenlow. Elle est fascinante, je suppose. Oh, ma chère tante, vous ne pouvez seulement imaginer ce qu'elle est. Pas idiote. Idiote? Ni écervelée. Écervelée? Oui, enfin bon, je demandais. En tous les cas, il faut pouvoir lui être présenté sans faire état de la moindre crainte. Il faut savoir jouer la pièce quand même, et cela sans montrer notre infortune, Trot. Je retournais dans le Kent pour régler les affaires concernant le cottage. Puis je revins chez Monsieur Wickfield et Agnès en compagnie desquels je devais dîner. Monsieur Micawber. Je suis extrêmement content de vous voir. Que pensez-vous de votre fonction, Monsieur Micawber? Cela vous convient-il? Pour un homme possédant une très grande imagination, bien sûr, c'est limité, je l'avoue. Dans le domaine de la correspondance, l'esprit ne peut prendre la liberté de se laisser aller à aucune exaltation dans sa façon de s'exprimer. Madame Micawber va bien, j'espère? Oh, très bien, Dieu merci, elle sera enchantée de vous recevoir sous son propre toit, car en attendant notre élévation à un logement plus ambitieux que le nôtre, présentement nous occupons l'humble demeure qui autrefois servait de logis à mon employeur, Monsieur Uriah Heep, et à sa charmante mère. Mais où vit Uriah à présent? Ici. Et sa mère? Dans cette maison? Ici. Sa vue fit aussitôt disparaître de mon esprit Uriah Heep et toutes ses manigances. Je ne songeais pas aux soucis d'Agnès, seulement aux miens. Je crois que je vais devenir fou, Agnès. Je l'aime à en perdre la raison. Je ne peux ni manger ni dormir tant je l'aime. Et son père m'interdit de la voir. Je ne peux pas lui écrire. S'il n'y avait qu'un soupçon d'espoir, mais il n'y en a aucun. Mon âme tout entière est broyée sous un tel poids de souffrance. Je voudrais mourir. Ou risquer la perdition et l'enlever et partir avec elle pour toujours. Pitié, ne dites pas de pareilles choses, c'est une torture. Une torture, dites-vous? Mais enfin, pourquoi? Agnès, qu'y a-t-il? Qu'ai-je dit qui vous torture, ma chère sœur? Parlez.
cela me déplaît de vous entendre parler de rêves impossibles, Trotwood. De fugue amoureuse. De ruiner votre vie et la sienne. En vous éloignant ainsi des personnes qui vous aiment. Très chère Agnès. M'en croyez-vous capable ? Je l'ignore, Trot. Abandonner ma tante, cette femme à qui je dois tout. Jamais. Et d'ailleurs, parfois, en plein cœur de la nuit, lorsque je ne peux dormir, j'ai le sentiment d'entendre la voix du diable murmurer. Si seulement tu avais le courage. Ce n'est que lorsque Uria nous eut rejoints pour le dîner que je pris enfin conscience de l'étendue de son pouvoir sur toute la maisonnée. C'est avec tristesse que j'observais avec quelle fréquence M. Wickfield remplissait son verre. Pouvons-nous nous retirer, maman ? Ne veillez pas trop tard, papa. Non, non. C'est vrai que nous voyons très rarement notre visiteur et c'est pourquoi je propose de lui souhaiter la bienvenue en buvant. Monsieur Copperfield, à votre santé. Et à votre bonheur. Attendez, mon très cher associé, buvons-en un autre. À Agnès Wickfield. Agnès Wickfield est, je puis vous le dire, la plus divine de sa condition. Et je parle entre amis ce soir, je l'espère. Être son père est une noble et fière distinction. Mais devenir son époux... Quoi ? Quoi ? Asseyez-vous, Wickfield. Si je dis que j'ai l'ambition de faire de votre Agnès mon Agnès, j'y ai autant de droits que n'importe qui. J'oserais même dire que j'y ai davantage de droits. Croyez-vous ? Croyez-vous ? Monsieur Wickfield, laissez-moi ! Attention, Wickfield. Cet homme est le diable incarné. Peu à peu, il m'a dérobé mon nom. Et ma réputation, ma paix, ma tranquillité, ma maison, mon foyer. Je vous ai gardé votre nom et votre réputation, Wickfield. Et votre paix, votre tranquillité, et votre maison et votre foyer. Monsieur Wickfield, pensez à Agnès. Pensez à votre fille. Que se passe-t-il ? Venez, père. Ah, je me réconcilierai avec lui demain. Monsieur Wickfield sait parfaitement où sont ses intérêts quand il n'est pas pris de poisson. Avez-vous déjà cueilli une poire avant qu'elle ne soit mûre, Monsieur Copperfield ? Hein ? Je l'ai fait. À l'instant. Mais elle doit encore mûrir.
Il suffit juste de la surveiller. Et je sais attendre. Prends les gardes! Copperfield, je peux le ruiner, vous savez. Wickfield, oh oui, l'envoyer en prison. Mensonge. Ah oui? Alors demandez-lui. Allez-y. Allez lui demander. Allez lui parler des diamants de Richboro. Vous êtes un abominable menteur. Ne puis-je rien faire? Moi qui suis venu à vous avec mes propres chagrins. Non. Agnès, vous n'allez pas vous sacrifier ainsi par sens du devoir. Vous n'allez pas accorder votre main à cette crapule. Je préférerais mourir plutôt. Sans doute ne devrais-je accorder ma main à aucun homme. C'est alors, à ce moment précis, que je sus vaguement quel était mon véritable sentiment à son égard. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? De toute façon, la main du destin allait s'abattre sur moi. Papa arrive. Le cœur. Ce sont là les contrats que vous aviez signés avec M. Spenlow. À présent qu'il est... mort, M. Jorkins. Précisément, oui. À présent qu'il est... comme vous venez de le dire, ces contrats cessent et sont abolis, tout comme cesse votre emploi parmi nous. Dans d'autres circonstances, votre tante aurait été autorisée à avoir une partie de l'argent qu'elle avait versé, remboursé par l'héritage du... du défunt, M. Jorkins. Précisément, oui. Par le... oui, vous venez de le dire. Mais hélas, les circonstances ne sont pas ordinaires, même bien loin d'être ordinaires, puisqu'il n'y a pas d'argent. Il y en a, forcément. Pas un penny. Monsieur Spenlow a, semble-t-il, dépensé avec une abondance allant bien au-delà de ses propres revenus. Mais sa maison? Louée. Son carrosse? Louée. Mais que va-t-il advenir de mademoiselle Spenlow? Dora. Nous sommes pauvres. Je ne sais pas ce qui va advenir de moi. Dora. Si vous m'abandonnez maintenant, je mourrai. Je sais que je mourrai. Par cet anneau, je t'épouse. Par cet anneau, je t'épouse. Par mon corps, je te protège. Par mon corps, je te protège. Et parmi mes biens les plus chers, je te vénère. Et parmi mes biens les plus chers, je te vénère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Êtes-vous heureux aujourd'hui, grand Bêta? Oui, très, très, très heureux. Mais étais-je heureux? J'avais vendu mon livre. Je n'en tirais pas un prix excellent, mais suffisant. Dora et moi nous installâmes dans un cottage au nord de Londres, tandis que ma tante et M. Dick restaient dans mon ancien logement. Notre servante s'appelait Marianne. Ses recommandations étaient dignes d'un roman que je n'aurais jamais osé écrire. Nos dépenses étaient phénoménales, mais nous n'avions jamais rien dans la maison. Oh, ça ne s'arrange pas. Ces horribles factures. Quelle horreur, tous ces chiffres qui refusent de faire ce que je veux. Cela me donne mal à la tête et toi, tu ne fais rien pour m'aider, vilain mari. Là, un affreux désordre. Oui, un affreux désordre, mon amour. Je verrai cela demain. Pourquoi pas maintenant? Apprends-moi. Parce que je ne suis pas disponible, j'écris. Je pense que tu te soucies bien plus de tes horribles livres que de moi. Dora. Si tu avais pu épouser un de tes livres, je crois bien que tu l'aurais préféré à moi. Combien de fois devrais-je te le dire? Ceci est notre pain et notre beurre. Si je n'écris pas, nous mourrons de faim, chérie, et ma tante avec nous. Dora! Dora! Marianne, allez ouvrir! On l'a retrouvée. Ma très chère enfant a été retrouvée. Elle l'a quittée. Steerforth? Oui, cet homme, oui. La pauvre a dû parcourir seule la route jusqu'à Londres et a bien failli mourir. Monsieur Peggotty. Oh, elle vivra, monsieur. Maintenant, elle est sauvée. Mais d'avoir frôlé la mort d'aussi près, elle a écrit à Yarmouth et sa missive est arrivée jusqu'à moi. Mais là, où est-elle? Elle est ici, à Londres. Toujours faible, sa santé est fragile. Mais je la soignerai. Et quand elle sera guérie, je l'emmènerai avec moi. Loin, très loin. J'ai reçu des nouvelles de Yarmouth aujourd'hui. Steerforth compte s'y rendre. Il a embarqué sur son bateau le Grimsby pour essayer de la retrouver. Pourriez-vous vous interposer, monsieur? Bien sûr, monsieur Peggotty. Sur le champ. Vous direz à cet homme que ma nièce ne posera plus jamais son regard sur lui. Il n'aura plus jamais sa compagnie. Je le ferai. Je voyageais toute la nuit au milieu d'une tempête terrible. Des rafales de pluie s'abattaient sur la côte, telle une douche d'acier. Lorsque j'arrivais à Yarmouth, la pluie s'était enfin calmée. Monsieur David! Peggotty? David, mon très cher petit. Qu'est-ce qui vous amène ici sans vous être annoncé? Juste ici. Qu'y a-t-il? Vous vouliez voir cet homme, Steerforth? Oh, Seigneur! Peggotty, qu'y a-t-il? Son bateau a coulé lors de la tempête, tout près des côtes. Je l'ai vu. Coque de noix battue par l'océan en furie, comme une pauvre créature devenue folle. Puis une vague de la hauteur d'une de nos chères collines l'a brisée en mille morceaux.
Il était étendu et semblait dormir, comme je l'avais si souvent vu à l'institution. Ce fut un hiver glacial. La morsure du froid semblait ne vouloir jamais cesser. Dora était constamment souffrante et bien souvent confinée dans son lit. Et soudain, un matin, je reçus une lettre dont le style flamboyant ne pouvait appartenir qu'à Monsieur Micawber. Marianne ! Ma chère tante, Traddles ! Il a reçu la même ! Oh ! Entrez. Des plus secrets et confidentiels. Mon cher Copperfield, ce que vous tenez dans votre main est l'explosion d'un volcan tenu longtemps étouffé. Le résultat d'un conflit interne qu'il est plus aisé de concevoir qu'il n'est de le décrire. Mais maintenant, la lutte est achevée. Et je n'accorderai ma confiance à personne... Tant que je n'aurai pas réduit en miettes ce détestable serpent... Uriah Hip ! Monsieur Micawber nous prie de venir à Canterbury. Et nous nous y rendrons. Voici. Mesdames et messieurs, je vous assure que vous allez bientôt assister à une éruption. Monsieur Copperfield, Monsieur Traddles, souvenez-vous, à mon signal, bondissez. Maintenant, accueillons-le. Mais c'est là un très surprenant plaisir. De voir tous mes anciens amis. Pourquoi restez-vous là, Micawber ? Retirez-vous. Allons, vous dis-je, retournez à votre bureau. S'il y a sur cette terre un scélérat avec lequel je le déplore aujourd'hui, je n'ai déjà que trop parlé. Ce scélérat s'appelle Uriah Heep. Monsieur Wickfield, pourriez-vous avoir la très grande bonté d'indiquer aux personnes présentes ce que dans un moment d'authentique désespoir et de magnifique clairvoyance, vous m'avez donc révélé? En bref, les circonstances en rapport avec la perte des diamants de Richborough. Ces joyaux inestimables m'avaient été confiés par un client, Sir George Richborough. Obéissant à ses directives, je les emportais à Londres pour les vendre. À Londres, je les ai malheureusement égarés. Non. Vous étiez ivre, Monsieur Wickfield. Et vous les avez perdus. Ou bien on vous les a volés. Volés ! La présente compagnie me sera obligée de bien vouloir retenir ce mot. Tel un fou, au lieu d'aller voir mon client afin de lui exposer les faits, honnêtement, au lieu de ça, j'ai tenté de cacher ce malheur. J'ai emprunté de l'argent pour payer Sir George. Papa, assez. Non, je poursuivrai. Alors, de grâce, asseyez-vous. Donne-moi ta main. Les intérêts sur cet emprunt étaient écrasants. Je devins très vite plus endetté encore. À la fin, pour maintenir le secret, je commis la folie d'emprunter la somme manquante à mon secrétaire, Uriah Heep. Depuis lors, je suis tombé sous son pouvoir. Très cher papa, cela suffit. Sans doute la présente compagnie souhaiterait-elle entendre une autre interprétation. Interprétation qui fut découverte par Monsieur Wickfield. Les joyaux ont été volés. Volés par l'ignominieux et formidable hypocrite, par ce parjure d'Uriah Heep. Ce ne sont que des mots, Micawber. Un discours verbeux, rien d'autre. Où est votre preuve ? Cet infâme scélérat, cet intolérable rapace, ce sempiternel menteur et tricheur, ce bandit, ce renard de Heep demande une preuve. Eh bien, je vais lui répondre, j'ai une preuve. Là, celle-ci est mon coffre-fort. De quel droit osez-vous y toucher ? Uri, sois humble. Uri, sois humble. Sors, la mère. Sois humble, Uri. Fais un
arrangement. Silence, j'ai dit. C'est à eux de se montrer humbles. Tiens donc, maintenez-le. Reculez, mes compères. Je vous écraserai, mes compères. Je vous tuerai. Sois humble, Uri. Mon Uri va se montrer humble, monsieur. N'écoutez pas ce qu'il dit, je vous en supplie. Tiens ta langue, la mère. Tiens ta langue. Les diamants de Richborough. Comment l'avez-vous su, mes copains? Comment avez-vous su qu'ils étaient là? Je n'avais pas pensé à mal, Uri. Tu m'as trahi, la mère! Non, jamais. Je mourrai plus tôt. Je voulais voir quel effet cela rendrait autour de mon cou. Je n'ai fait que les emprunter pour un moment. Avoir la joie de les porter. Je le confirme. Oui, ce fut un acte privé et d'une grande discrétion. Ce n'était que pour un moment. Mais assez pour démontrer sous couvert d'un malheureux hasard le monstrueux stratagème qui, en somme, permet de prouver votre faute. Aïe! Oh mon Dieu! Je vous ai toujours détesté, Copperfield. Vous avez toujours été un parvenu. Vous avez toujours été contre moi. Tout est là. Jusqu'au moindre penny qu'il a pu détourner et voler. C'est un vrai trésor. Ma propriété, Trot. Je vais enfin la reprendre. Ma tante, je croyais que vous étiez ruinée. Elle était entièrement investie ici avec Monsieur Wickfield. Je croyais les fonds détournés par lui. C'est la raison pour laquelle j'avais gardé le silence et j'avais inventé toute cette histoire. Ce mensonge vous honore, madame. Vous avez sauvé sa réputation. Ce qui revient à dire que vous lui avez sauvé la vie. Il s'est endormi? Je ne sais comment vous remercier. Alors. Alors. Des personnes que David connaît, des amis de Yarmouth, vont partir en Australie prochainement. L'Australie? L'Australie! Vous pourriez partir sur le même bateau. Que pensez-vous de cette idée? Le capital, madame. Mais il y a un hic, madame. Le capital nous fait défaut. Eh oui, malheureusement. Mais votre époux nous a rendu un grand service, madame Micawber. Oui, oui. Si c'est l'argent qui manque, je le fournirai. Oh, mais je ne saurais recevoir cet argent, madame. Monsieur Micawber a sa fierté et il ne peut pas accepter. Si, cependant, une honnête somme pouvait être avancée à, disons, 5% d'intérêt par an après passer sur mon engagement personnel, avec peut-être des traites à 12, 18 et 24 mois, respectivement, afin de permettre à la chance de tourner enfin. Santé. J'ai l'intime conviction que l'Australie sera le pays qui s'imposera comme la sphère de notre réussite pour moi et Emma. En bref, qu'un événement d'une extraordinaire nature va enfin se produire sur cette contrée lointaine. Allez, 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 allez. Je m'apprêtais à vivre un drame terrible. Un malheur que depuis le début de ce récit, j'ai vu grossir au fur et à mesure de ces pages. Tel un arbre dans la plaine, dont le feuillage étend son ombre sur les alentours. Dora ? Notre domestique, Marie-Anne, nous avait volé avant de prendre la fuite, laissant Dora toute seule, en proie à la terreur et à la détresse. Dora ! Thank you.
reviendrai demain à la première heure. Mais s'il y a un changement, faites-moi appeler immédiatement. Ma chère tante. Trot. Oh. Durant les jours qui suivirent, son état empira. Elle insistait tellement pour voir Agnès que j'envoyais une lettre à Canterbury. Seigneur, vous qui avez créé le ciel et la terre, regardez maintenant cette tombe. Que votre servante y repose en paix, attendant le jour de votre jugement et la résurrection avec tous les saints. Bénissez cette tombe qui va recevoir le corps de Thora, votre servante. Nous la mettons en terre. Que son âme accède au paradis par Jésus-Christ, notre Seigneur. La terre à la terre. Les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Je fuis cette tombe froide où reposait mon épouse, ma tante à laquelle je devais ma propre existence, et la femme qui avait accueilli mon cœur. Pendant 3 ans, je parcourus l'Europe pour finalement m'installer en Suisse. J'écrivis d'autres livres. Ma réputation et ma célébrité grandirent, mais je ne songeais nullement à mettre fin à cet exil que j'avais choisi. Jusqu'au jour où le cauchemar de mon passé surgit une nouvelle fois. Il s'agissait bien de Murston et de sa sœur. Assis en compagnie d'une jeune fille anglaise et de sa dame de compagnie que j'avais déjà croisée.
Mademoiselle Horton? Mademoiselle Skeks? Je vous demande pardon pour l'indécence de mon intrusion ici. Monsieur Copperfield, nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous? Merci. Puis-je vous présenter? Monsieur Merston et sa sœur. Je connais d'ores et déjà ces personnes. Mais nous sommes de vagues connaissances, vous en conviendrez, j'en suis certaine, monsieur Copperfield. Non, madame, pas du tout. Pas cette fois. Plus jamais. Monsieur Merston est mon beau-père. Il entraîna ma mère à l'épouser. Il voulait sa fortune, aussi modeste fut-elle. Ce sont là calomnies. Voilà ce qu'est cet individu. Un être calculateur, sans pitié, en quête de fortune. Dépourvu d'honneur, de scrupules et d'indulgence. Faites silence! J'ai gardé le silence trop longtemps! Je ne serai plus silencieux à présent! Edward, allons-nous-en. Jane, taisez-vous! Il mena directement ma pauvre mère malade jusqu'au tombeau. Oui, elle était malade, mais je ne suis pas l'être qui fit aggraver sa maladie. C'est son propre fils qui la dépouilla de sa force vitale par son attitude rebelle et ses demandes insupportables. Vous l'avez tué aussi délibérément et aussi froidement que si vous lui aviez planté un couteau dans le cœur. Répétez cela en Angleterre. Répétez cela dans un pays où vous ne pourrez fuir la loi contre la calomnie. Je ferai mieux que ça. Je l'écrirai. J'ai une certaine réputation. Je l'utiliserai. Et je m'assurerai que vous serez un homme plus connu encore que je ne le suis. Universellement connu aux yeux du monde comme le voleur et le meurtrier que vous êtes. Edward. Venez, Edward, ne restons pas là. À peine une heure plus tard, j'étais assis à mon bureau où j'écrivais ces pages. À la fin de chacune d'elles, au terme de chaque phrase, de chaque mot, la noirceur de mon enfance se dissolvait pour qu'enfin l'homme que j'étais devenu apparaisse en pleine lumière. Mais je ne pus écrire la fin. La fin, quelle qu'elle soit, heureuse ou triste, je ne pouvais l'écrire en Suisse, mais en Angleterre. Monsieur David! Trotwood? Mon Dieu, Trot! Comment va Agnès? Bien, très bien. Et toujours aussi bonne et aussi ravissante. Si je connais ses plus belles éloges, c'est à elle qu'il reviendrait. A-t-elle des soupirants? Une foule. Elle aurait pu se marier une vingtaine de fois depuis ton départ. Pourquoi n'en a-t-elle rien fait? Je suppose qu'elle a un attachement. Vous connaissez la personne? Elle ne s'est jamais confiée à moi, mais je crois connaître la personne. Je crois la connaître très bien même, dirais-je. Alors, comptes-tu te rendre à Canterbury et aller la voir? Croyez-vous que ma visite lui fera plaisir? Monsieur Dick, que doit-il décider? Louer un cheval et partir pour Canterbury demain. Oh. Agnès! Oh, Trotwood, c'est vous! C'est bien vous? Oui. Vous semblez en forme. Et vous? Êtes-vous... Avez-vous... Agnès... Je suis partie parce que... Je sais pourquoi vous êtes partie. Vraiment? Oui. Il est vrai que vous savez tout sur moi. Pas tout, non, je ne pense pas. Je suis parti. Je suis parti en vous aimant.
Je suis resté absent en vous aimant. Et je suis rentré en vous aimant. Saviez-vous cela? Oui. J'ai mieux gardé mon secret que vous n'avez gardé le vôtre. Votre secret? Je vous aime depuis le premier jour. Dora avait voulu me voir. J'étais près d'elle ce jour-là. Elle me fit tenir une dernière promesse. Celle qu'un jour je prenne cette place abandonnée par elle. Le voulez-vous ? Je le fais. Je vous aime. Je vous aime. Ainsi s'achève mon récit, avec Agnès à mes côtés. Agnès, 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 puisses-tu être près de moi quand je quitterai ce monde? Quand les réalités s'effaceront à mes yeux comme les ombres de cette histoire, puissais-je te trouver encore près de moi ?